Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la suite du Let's Play de The Evil Within 2, l'épisode 9 sur PC. On va tout de suite continuer en regardant la suite. Oh, regarde, plutôt on dirait un film. En jouant plutôt la suite. Hein. Rip Esmeralda Torres. On n'aurait pas dû mourir comme ça. Sykes, vous êtes toujours là? Tout va bien? Sébastien, c'est justement vous que je cherchais. Je vais bien, mais j'aurais vraiment besoin d'aide. Vous ne le regretterez pas. Je ferais bien de me rendre dans sa planque. Et voir ce qui se passe. Ah, la dernière étape, on va voir ce que ça donne. On va faire cette petite quête. Ah oui, mais bien sûr, il y aura de nouveaux ennemis. Chier. Oh, il clean toute la zone. Attends. Ça sert à rien d'avancer, hein. Chargement. C'est fini. Allez, dernier pourcent. C'est parti pour la relague. La relague du jour. Il y a de tout maintenant. T'es revenu au paradis. Alors, tout est revenu à quel point? Oh merde! C'est une vraie forteresse. Qu'est-ce qui se passe, Sébastien? Le stem part en vrille. On dirait qu'il perd encore davantage en stabilité. Vous n'avez même pas idée. J'imagine que vous y êtes pour quelque chose. Je ne l'aurais pas fait si je n'y avais pas été contraint. Je vais mettre un terme à tout ça une bonne fois pour toutes. Je vais sauver Lily. Et cette fois, j'ai tout le matériel nécessaire. Bonne chance, Sébastien. Et tenez-moi au courant, d'accord? Je dois savoir ce qui se passe là-dedans pour pouvoir vous aider. C'est important, vous comprenez? Oui. Je vous tiens au courant. Oh non! Hop, il a pris sacré paquet de balles. Ah bah voilà, il faut en tuer deux en fait. C'est exactement ce qu'il me fallait. D'accord, j'ai pompé. J'y suis presque. Ah oui, 5000 quand même. C'est pas mal, j'ai envie de dire. Ah ouais, faut que j'arrive partout quoi. C'est malin. Bon, moi ça permettra de faire le tour de la ville en vidéo. Ah, même les caches sont revenus remplis. Ah. J'accepte.
J'ai oublié que j'avais une hache. Hache. Hop. Pas les couilles de ta fumée. Pas les couilles de tes fumées, mec. On va aller là dans la réserve. La hache n'est plus. Il y avait une hache sur ce corps. Ouais, non. Non, tu descends, voilà. Ok. Arrête! J'ai dit qu'il fallait que j'arrête de reload pour cette arme. Je suis vraiment bête, hein. Bon, bon, pas grave. D'autres plantes ont poussé quand même, hein. Qui fait que c'est comme une nouvelle zone. T'as perdu tes cheveux en pompant, toi. Comme c'est original. Hop et hop. Je me demande si je dois vraiment tout réexplorer ou pas. Si je dois tout refaire, j'ai pas.
Le deuxième. Le plus lourd sur ma peine. Il y a un lance-flamme que t'as. Non, toi tu vas t'arrêter ça. Accepte ces flammes. Salope. Mais casse-toi. Pardonnez-moi, père, je l'ai perdu. Oh là là, qu'est-ce qu'il est chiant ce mob. Oh non, il m'a pas laissé son. Ah si, son réserve. Et voilà, j'ai toutes les pièces qu'il me faut. Il est où l'atelier? Y'en a pas. Bien fait galérer celui-là en tout cas. Alors... Cool, yeah. Cadavre qui bloque et on peut pas passer, très bien. Des clous. T'as pu avoir trop de munitions. On doit utiliser ça, hop. Ouais bon, là, difficile.
Ah mais oh, eh. Bon allez, vas-y, fin de merde. Bon, j'ai plus de balles. Je n'ai plus de balles. Allez, des missions, s'il vous plaît. Un canon, c'est plus que rien. Hop, d'accord. Toilette. Je t'ai pas vu, toi. J'avais pas vu. Est-ce qu'on va utiliser... Hop là. Pas en sécurité dans cette zone. Moi je ne me sens pas en sécurité. Visiapompe, c'est bon. Oh mon dieu, des cartouches volantes. Ouh, j'ai peur. Allez, équipe-toi. Je sais pas où tu peux encore avoir. Je sais pas si j'ai des tout ou pas. Hein. J'ai le vert. Deux petits objectifs sympas. Voilà, par contre,
vas te calmer, hein, Sébastien. Moi, oh. Voilà. Eh bien. Bon, je me prépare mentalement pour ce qui va se passer. Alors qu'ils mettent du gel là. 1500 gel, non, ça, si c'était 5000 gel, je serais retourné, il y aurait une sensation. De la visite de ville, hein, y a pas grand intérêt. Il y en a combien? Celui-là au fond, je peux le tuer avec une balle. Ça. Celui-là. Hop. Changer de type. Pour. Bon, le pistolet classique, tiens. Non, pistolet silencieux. Il a touché qu'une fois, très bien. Ah, ils sont de... Tant mieux, il reste deux balles. Comment on va s'y prendre? D'abord elle est là. J'ai envie de voir si c'est quelque chose. Plante. Hop. La poudre à canon. On va refaire un petit stock. Pièce détachée aussi. En vrai, il n'y aurait rien à voir dans l'aéronautique. D'accord, j'ai un petit. Oh, et puis merde. Hein. Ne pas faire de bruit. Voilà, ça c'est fait. Alors qu'est-ce qu'il y a d'autre qui aurait des munitions? Ça c'est bon. C'est les classiques. Qu'est-ce que ça? 250 pièces détachées, oulala. Oulala. Il me manque 10 000, enfin 30 000 plutôt. Gel là. 30 000 gel. On va passer pour la suite. On essaie de se faire la zone quartier par quartier. Ah, 300 balles, hein, c'est bien. Très
très étonnant qu'il n'y a pas de monstre dans cette zone. Très bien, trop étonnant. Arrêtez avec vos pièces détachées, ça sert à rien. Donnez-moi quelque chose d'utile. Ah. Utile, j'ai dit. Non. Si ça fait longtemps que j'ai pas vu des agents d'Union surveiller avec eux, non plus, je ne sais pas différencier les deux de leur uniforme. J'en ai pas vu énormément. Ah bah oui, Doom, le Doom Guy. Je l'avais oublié celui-là comme franchise. Donc on a fait... Hop. Je sais pas si je l'avais loupé la première fois, le guy. Hors possible. Sacré fort. Oh non. Oh non. Non, 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 non. J'ai dit non. Putain, il y en a un troisième. Fais gâche. J'ai pas fait sa caisse. Il a fait venir ici. Deux poudres de canon, ça fait une munition en plus. Allez. Pas de jaloux. Allez, allons là-bas. Espérons que les casiques de la première Tatiana seront des munitions. Ici. Ouais, tu veux peut-être que je prends pas les couilles. Ouais, le gaz. Je m'en bats aussi les couilles. Enfin, rien pour le Saturn. Bon, on va finalement aller dans sa planque. Enfin, sa dernière, sa mission là, sa mission annexe. Il sera ta certaine dernière vu le nom. Vous voilà, bien. Que se passe-t-il, Sykes? Je suis légèrement occupé, vous savez. Hé, hey, c'est vous qui m'avez dit de vous appeler avant de partir. Vous avez trouvé la sortie de secours? Regardez. Félicitations. Il faudra que vous montriez comment l'utiliser pour que je puisse sortir d'ici avec Lily. D'accord. Alors voilà ce que je vous propose. D'abord, vous devez m'aider à quitter ce monde. Vous aider? Je ne sais absolument pas comment fonctionnent ces ordinateurs, Sykes. Non, c'est pas ça le problème.
J'ai piraté les serveurs pour accéder à une zone restreinte du STEM. Je dois utiliser l'un des caissons pour sortir d'ici. Mais le problème, c'est qu'il n'y a plus de courant. Et il y a un sacré paquet de créatures aussi. L'effondrement du système affecte le STEM en profondeur. Si vous rétablissez le courant et faites le ménage pour moi, je pourrai enfin me casser d'ici. Encore une fois, qu'est-ce que j'y gagne ? Je vous montrerai comment utiliser le caisson avant de partir. C'est bon ? Ok. Ça vaut le coup d'essayer. Merci. Appelez-moi quand tout sera prêt. Comment est-ce qu'un type comme vous a pu se retrouver chez Mobius ? Un type comme moi ? Qu'est-ce que vous entendez par là ? Que vous avez une certaine humanité et un minimum de cran. Il semblerait qu'ils aient une préférence pour les opérateurs sans scrupules ou d'une obéissance inconditionnelle. Vous n'êtes ni l'un ni l'autre. Vous pensiez que je vous prenais pour qui ? Non, rien. Oublions ça. Vous savez, c'est moi qui ai fait la démarche pour les rejoindre. Vous pensez qu'on était voici ? D'ailleurs. Ils savent couvrir leurs traces. Mais pourquoi vous avez fait ça ? C'est juste l'organisation la plus puissante du monde. C'est tentant, non ? Et vous ne considérez pas que leurs actes sont criminels ? C'est un crime que si on force les gens. Vous connaissez l'adage. Quis custodiat ipsos custodes. Pas vrai ? Bien sûr. Je vous crois sur parole. Vous avez survécu. Je dois reconnaître que j'ai été surpris d'avoir de vos nouvelles. On parlait pas. Je me suis fait discret pour résoudre cette histoire d'issue de secours, mais j'ai jeté un œil de temps à autre. Tout part en vrille. Putain, mais qu'est-ce qui se passe ? Un maniaque essaye de prendre le contrôle d'Union. Vous avez eu raison de rester là-dedans. Vous auriez pu finir écorché vif. Ça me tente pas trop. Je passe mon tour. Le pire, c'est que ce cinglé veut mettre la main sur Lily. Si mon plan fonctionne, vous pourrez la mettre en sécurité dès que vous l'aurez retrouvée. Hop. Ah merde. Ok. Ça aussi, ça s'est rétabli. Sauf que la dernière fois, c'était une arme. Et il y a encore des pistolets. Hé, des munitions. Un petit café. On est bien, hein, on a un peu ce café. Hold the lap, le café. Je sais pas depuis combien de temps je traîne, mais... J'ai 523 000 frames capturés, là. Ça doit faire 3, 4 heures. Je crois que j'ai pas de diapo. Hein. C'est tout, il n'y en a pas d'autres. Bon, on va en premier lieu. Crafter le lance-flamme. Fusil à pompe. Reste. Avant de construire, on va voir ce que donne Tatiana. Je crois que j'ai 3 clés sur moi. Inspecteur Castellanos. C'est bon de vous revoir. Oui, c'est bon, Tatiana. En premier lieu, ça, hop. Ensuite, ce casier qui m'emporte des sarpons, je m'en bats les couilles. Celui-ci qui m'emporte 2 seringues, je m'en bats encore plus les couilles. Et des balles de fusil à pompe. De fusil d'assaut, pardon, pourquoi pas. Je sens. Je n'ai pas. Alors vous. Si je me. Je passe juste rapidement pour voir si ça donne quelque chose, mais non. Alors.
J'ai rien à fabriquer, je crois. Ah, y'a rien à fabriquer. Je repose rien, Tatiana, ici. J'ai tout. Bon, on va se faire la zone expérimentale. Qui en empêche, si on faisait pas les quêtes annexes, on n'aurait jamais eu cette zone, hein. Bon, mettons-nous au travail avant que je change d'avis. Allez. On va faire cette zone, puis on s'arrêtera là, je pense. Pour cette VOD, hein, le live, on tient encore un peu, je pense. On va voir. Oh, mais regarde, c'est loin. C'est-à-dire que c'est pas une petite zone. Après, si c'est que des couloirs comme ça, ça va aller vite, hein. Ouais, le département expérimental compte comme une nouvelle zone, en fait. Ça a l'air abandonné. Rien de rassurant. Je dois simplement m'occuper de ce qui grouille là-dedans et remettre le courant. Ça recharge. Oh non, vraiment? Ils ont craqué là. Oh bah non, ça va en fait. Peut-être que dans le test lab, il y a quelque chose de pas très bienveillant. On va pas y aller de toute façon. Ah bah c'est parti. Si j'arrête de faire de la merde avec mon pistolet.
3, 2, 4, 5. Salut. On va utiliser un peu de bouteille. Putain, mais il faut que j'arrête de les faire bugger. Hein. Y'a rien sur lui. Je vais exploser, mais quand même. Ah bien. C'est bon. Je ferais bien d'appeler Sykes. Merci. Je ne serais pas parvenu sans vous. Vous êtes sûr que ça va marcher? Non, mais j'ai pas super envie de rester ici. Tout est bon à prendre à ce stade. Ok, tout est en place. Quand vous ramènerez Lily, vous trouverez un minuteur ici. Tournez-le d'un quart de tour, puis appuyez sur ce bouton. Ça vous laisse 60 secondes pour monter dans le caisson. Vous devriez pouvoir y tenir tous les deux. Sykes... J'ai comme un mauvais pressentiment. Écoutez, je sais ce que je fais, ok? Vous devriez peut-être remettre ça à plus tard. Aidez-moi à trouver Lily. Et nous trouverons une autre issue. Je suis désolé pour vous. Vraiment. Mais le mieux que je puisse faire pour vous aider, c'est de faire fonctionner ce caisson. Ok. Si vous le dites. Souhaitez-moi bonne chance. Merci. Je vous ai laissé quelque chose en guise de remerciement. J'en aurai plus besoin là où je vais. On se retrouve de l'autre côté. Je sens mal. What? Il n'est plus là. Je me demande si ça a marché. Sayonara, Psyche. Psyche. Un fusil à canon scié. Non, à double canon, pardon. Le canon scié, je l'ai déjà. Because... Notre tentative d'utiliser un caisson du STEM issu de secours est officiellement un échec. Malgré un taux de réussite de 25%, il a été décidé d'interrompre les recherches.
Un sujet sur quatre est parvenu à quitter le système. Les trois autres ont tout simplement... cessé d'exister. Nous pensons que les 75% restants sont perdus dans un niveau non répertorié du STEM. Un rêve dans un rêve dont il est impossible de revenir. En raison d'un trop grand nombre d'inconnus, l'expérience a été abandonnée. 25% de chances de réussite? C'est trop peu pour que je risque la vie de Lily. J'espère que Sykes a rejoint le monde réel. Il a une chance sur 4 après tout. Ok. Allez. On aura fait au moins cette petite zone annexe. C'est bien planque de Sykes comme il est plus là. Message de Sykes. Je me sens d'avoir été écrit là sur un morceau de papier. Merci pour le coup de main, Sébastien. Vous êtes digne de confiance. Je vous souhaite bonne chance. Si vous parvenez à vous en sortir, essayez de me retrouver. Je vous paierai hier dans le monde réel. Votre pote Sykes. Ah, j'espère que tu t'en es sorti, Sykes. Ce serait con pour toi. Bon, on va retourner dans la salle. Quand je parle de la salle, je parle de la salle de Sébastien et pas de Jean Lassalle. Utilisez le 10e diapo. Je me demande si on a quelque chose de spécial pour le 11e. Vous êtes là, Kidman. Pour vous? Toujours. Le STEM, ça fait deux fois que ça échoue. Une machine qui vous envoie dans la tête des autres. Qui a décidé qu'on avait besoin d'un truc pareil? Je veux pas savoir ce qui se passe dans la tête des autres. Une fois m'a suffi. Ruvik l'avait développé pour ses propres raisons déviantes. Mais Mobius a vu un potentiel dans cette technologie. Le potentiel d'asservir tout le monde, vous voulez dire? C'est toujours mieux que de le laisser aux mains d'un psychopathe. J'en sais rien. Me dites pas que vous adhérez à cette idée d'humanité unifiée. Qui sait ce que Ruvik aurait fait si vous ne l'aviez pas arrêté? Ruvik ou Mobius, dans tous les cas, personne ne devrait posséder cette technologie. Elle est trop puissante. Et on sait ce que ça peut donner. Hop. Rien pour moi cette fois-ci, hein? Hmm? Tu veux que je te suive? Oula. Qu'y a-t-il? Je dois m'asseoir dans cette chaise. Le chat, c'est Tatiana. Vous avez presque terminé ce voyage intérieur que vous avez entrepris il y a si longtemps. Vous avez affronté vos propres démons. Vous avez couru de grands risques pour sortir victorieux. Mais il y a encore un souvenir que vous devez affronter. Comment ça ? Tenez, cela vous sera utile. C'est bizarre. J'ai toutes les diapos. Cette dernière va me faire peur. Oh, on l'a oublié, lui. Mon partenaire. Mon ami. Sébastien? Déjà de retour? Que se passe-t-il? Après tout ce temps, il y a quelque chose dont nous n'avons jamais parlé. Hein? De quoi donc? Pas de quoi. De qui? Joseph. Je
pitié pour Joseph était réciproque. Je n'ai jamais eu l'opportunité de m'excuser pour ça. Les choses étaient confuses après Beacon. J'aurais dû essayer de trouver des réponses après ce qui s'est passé. Je veux dire, je sais ce qui s'est passé. Ne vous inquiétez pas, je ne vous blâme pas. Mais je continue de me reprocher sa mort. Vous n'avez pas à le faire. Pourquoi pas? Vous préféreriez que je vous le reproche? Après tout, c'est vous qui l'avez tué. Non, c'est faux. Je vous ai vu lui tirer dessus, Kidman. C'est vrai, mais... Mais quoi? Joseph est vivant. Quoi? Qu'est-ce que vous racontez? Non, c'est pas possible. Que lui est-il arrivé? Où est-il? C'est une longue histoire. Nous continuerons cette conversation plus tard, quand nous serons en sécurité. Sachez simplement que vous n'avez plus à vous reprocher sa mort. Je dois y aller, Sébastien. Finissons ça et nous parlerons plus tard. Ouais, on en reparlera plus tard, ça c'est sûr. Ok. Chaton? Merci, chaton. Tu étais très bizarre tout à l'heure, chaton. Ça fait peur. Bon. Je me fais chier, je fais ça. Hop. Eh bien, nous allons nous arrêter là pour ce 9e épisode. Donc j'espère que celui-ci vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire et un j'aime, surtout à vous abonner à la chaîne. C'était Zazdel, prochain épisode HD. Passez une bonne journée, une bonne soirée et vive les jeux vidéo.